D'avoir bien mes points noirs dégueulasses. C'est mon père. Bah, ce soir, on m'a dit de venir parce qu'apparemment, il y avait un marché de nuit. Non, c'est pas ça. Ah non, c'est pas ça. Non, bah, je viens me bagarrer, quoi, parce que bah, apparemment, je m'entraîne pour. Du coup, autant venir rentabiliser, quoi, ces jours de paye. Bah, ouais, bah, je combats dans les tournois des 93 kilos. Avec moi, déjà, j'ai 7 compatriotes de Savoie-Ligue, puis on fait le déplacement. C'est du jamais vu. Il y en a même qui sont jamais sortis de Savoie, pour te dire. Et en plus, j'ai ramené une bande de sangliers en gris-gris. Donc normalement, il peut rien m'arriver. Ça va, toi? Ça va, et ça? Tu vas bien? Ah, je te sens costaud aujourd'hui. Je te sens solide. Non, c'est une vraie dent sanglier. Ah ouais? Bah, les sangliers, ils éventent les chiens de chasse avec ça. Ouais, wow. J'aime bien l'image du sanglier. C'est un animal emblématique de chez nous, quoi, des campagnes et de Savoie libre. Et c'est un animal qui est même blessé et encore plus dangereux. Et rien n'arrête un sanglier, c'est vrai. En fait, quand tu te confrontes à un sanglier, tu perds toujours des plumes. Que tu lui rentres dedans en voiture, ta bagnole, elle est morte. Et même un ours, il a peur d'un sanglier. Alors, ce que tu veux dire, c'est un peu la métaphore de ta personnalité, ça? Ah, je sais pas. J'ai pas fait une introspection jusque-là. C'est trop cher, les séances de psy. Tu te vois comme un sanglier, je veux dire. Ah ouais. C'est le sanglier, quoi. Il y a rien de plus fort, ça, que le sanglier chez nous. Pour revenir à ce soir, donc, t'as fait la pesée ce matin. Est-ce que tu as vu ton adversaire, ce que t'en penses? Bah oui, il y a... Salut! Je connais pas, je l'avais jamais vu. J'ai juste vu qu'il venait d'un club de JJB. Enfin, préférence JJB. Voilà, c'est tout. Bon, bah, bon premier tour en tout cas, en tenue. Merci. Et à tout. Ouais. Je me présente, c'est Emmanuel Demad. J'ai 28 ans. Je suis originaire du Cameroun. J'habite Savigny-le-Temple. Niveau MMA, ça doit faire quoi? 10 mois, j'en fais. J'ai un combat, un KO au premier round, et là c'est mon deuxième combat avec le 100% fight. Que chez nous, on est des gens solides, on travaille dur, et je pense que c'est le continent qui est comme ça, par rapport à son histoire et tout ce qu'il y a pu avoir. Pour moi, adversaire, ça change rien du tout. Que je le connaisse ou pas, on va apprendre à se connaître dans la cage, et puis voilà. Hein. Je te souhaite un bon premier tour. Merci. Donc une victoire et une défaite en MMA. Je viens du judo et de la boxe thaï. Et du coup, je me suis orienté vers le MMA parce que tout était autorisé, on va dire, et le côté complet qui m'intéressait. Bah, le 100% fight, vu que c'était très reconnu, et la renommée du coup m'intéressait, on va dire. Du coup, je me suis dit affronter les meilleurs, donc ça m'intéresse, et pour voir ce que je vaux. Le sanglier dans moi. Adam, il Voilà.
ressort, pas un ressort, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. D'accord ? Sur la patte. Sur la patte du sanglier. Bon, la jupe, c'était chaud, hein, on va. Je lui disais, mais putain, pourquoi j'ai pas de jus? Parce que lui, il était frais, lui. Ah. Parce que je me disais, putain, j'ai pas de jus, je suis sec. Par contre, il m'a enlevé un bout de babine, je crois, hein. Hein? Ah, ouais, ouais. J'adore quand c'est dur. Parce qu'il m'a bien touché, ça, bah, la douce. Quand il m'a touché, je me suis dit, est-ce que mon corps va répondre normalement? Et j'ai eu la faculté de le récupérer super vite. Pour l'instant, je touche du bois. Bah en fait, dès que je me suis fait toucher, même sans réfléchir, j'ai saisi les jambes et je crois que j'ai fait un double leg avec crochetage. Quoi. Bon, tu sais, c'est le reptilien qui prend en charge le truc en mode t'es en danger, parce que tu fais mieux. Du coup, bah, j'ai attrapé Baron, j'avais pas de jus. C'est il me disait, attitude, attitude, j'étais là, ok, ok, c'est tout. Ouais, montrer genre que tout va bien, tu vois. Alors que pas du tout. 93, on n'est pas beaucoup. Du coup, j'ai fait les cartes à l'heure, là, j'ai fait la demi. Et du coup, je suis en finale. Et ce qui est rigolo, c'est que je suis en finale contre Darrel. Et Darrel, c'était ma finale des championnats de France de MMA. En plus, il y avait la Savanine qui était là, bah oui. On a vu ça, on a entendu ça. Ils ont fait 6h, 7h de route avec un rendez-vous pour venir. Bravo, Toto. Merci. Et plaisir à te revoir pour la finale. Vas-y. Ciao.